Ciao, Pancho. A demain. Ciao, Scott. Ciao, Joseph. On n'a pas débarqué hier, on est d'anciennes écoles. On rappe pas pour jouer, c'est le système qu'on écorche. On dit qu'on est juste réaliste quand ils disent qu'on est corps. Vie entre les décors, c'est l'envers du décor. On n'a pas débarqué hier, on est d'anciennes écoles. On rappe pas pour jouer, c'est le système qu'on écorche. On dit qu'on est juste réaliste quand ils disent qu'on est corps. Vie entre les décors, c'est l'envers du décor. Ils ont rien dans le barilé, à part le vent, sors jamais ton pic. Si c'est pour faire semblant, y'a rien de sanglant ici, Mars, sa réalité. Dans l'empire du décor, y'a pas de piste, on faut le mériter. Oh Rémi, dis-moi, le grand frère, alors c'est qui? C'est toi ou c'est lui? Dis-moi frère, je crois qu'on est lui pourquoi? Pour parler de savoir qui c'est le grand frère ou pas? Ou on est venu pour parler de business? Oh, t'énerve pas. Oh Albert, c'est ça, c'est Albert. Ouais, c'est ça. Bon, parle-nous de tes 250 kilos. Alors je vous explique. Oh. Moi j'étais en affaire avec Vinci. Je travaillais avec lui. J'ai entendu dire qu'il va faire affaire avec un certain Rachid. Hein? Le Marocain, un grossiste. Il a parlé de 250 kilos. Quoi? Et c'est pas du sûr? Et toi, tu me fais venir pour ça? Eh bien, ce taille de là. Oh, Albert, respecte. Laisse-moi t'expliquer. Hein? Vinci est dans plusieurs embrouilles. Mais est en train de monter en puissance en ce moment. D'accord? Il a besoin de ces 250 kilos. Apparemment, j'ai entendu dire qu'il doit chercher un ou deux mecs pour faire des go-fast. Alors, faites savoir dans les quartiers nord que vous êtes faits pour ça, tous les deux, d'accord? Il y a tous les mecs qui sont sur Marseille, je crois que c'est sur nous qu'ils vont s'arrêter. Ouais, sérieux. Non mais ça, laissez-moi faire. C'est mon travail. Alors, oh, vous êtes chaud? Ouais, moi je suis chaud, mais toi tu veux quoi en retour? Sérieux, il y a tout, je comprends pas. Tu as un froid avec eux? Tu veux nous faire une go fast? Tout bénef pour nous? Le problème, il est où là? Je t'explique, oh, Albert. Chaque chose en son temps. Après, on peut travailler ensemble, si vous voulez. Hein. Vous savez, j'ai la main sur beaucoup de choses à Marseille. Vous savez ce que ça veut dire? De toute façon, on verra bien. Comme je t'ai dit la dernière fois, nous, on travaille. T'inquiète pas. Oui, je sais que vous travaillez. Mais avec moi, vous pouvez monter plus haut. Bon, vas-y, prépare tout et nous, on ira le voir. Par contre, attention, Albert. Hein. Vinci et son équipe, c'est les marioles. Hein. Écoute-moi bien. Si tu es venu nous voir, nous, c'est pas pour rien. D'accord? Tu sais à qui tu as affaire.
Raconte, c'est passé quoi? Enfin, je sais pas. J'ai passé une bonne après-midi. Je dis à Pancho que j'allais voir une maraclie et... Voilà, tout se passait bien. Et après? Je suis rentré, j'ai pris l'auto. Et j'ai reçu l'appel un quart d'heure après. Tu penses que c'est qui? C'est pas que je pense. Les gars du bar m'ont pénave que c'était Kamel. Putain, c'est mort, fallait juste ça tombe maintenant. Même s'il a été prévenu? Ben oui. Petit Christian, elle arrive là. Putain. Culé de tout le monde. Bon, faut qu'on se bouge le cul là. Parce que ça va s'empirer tout ça. Ça pue. Les obsèques ont lieu vendredi. Tu crois qu'il va venir? Qui, Vinci? Je sais pas. Mais alors qu'il est vaut mieux qu'il reste à l'abri. Ça grouille de chemise de partout. Et avec ces putains de Brown, ils sont capables de frapper même pendant l'enterrement. Ils ont pas de race, ces bâtards. Respecte rien. Ça va, cousin. J'ai appris pour Pancho, ça me fait de la peine. Mais j'ai vu Vinci tout à l'heure. Il m'a peiné à qu'elle venge ton cousin. T'inquiète pas, tout c'est marrant, c'est pas tard de mort. Hein? Apparemment, il aime ça. Défonce-le! Oh. Vous êtes sérieux, les gars? Ferme ta gueule! Pierre JP va prendre ça! C'est bien. Tiens-moi, les mecs. Tu n'as pas compris que c'est nous à Marseille maintenant? Tu marches avec nous, tu n'as pas le choix. Il y a déjà les courses avec moi. Vas-y. Mais les gars, vous êtes trop mal, arrêtez, putain! Je vais te montrer, nous, comment on est jobards! Vous avez l'air soucieux, monsieur. Vous cherchez peut-être quelqu'un? Je suis un peu fatigué. Je sors de garde à vue. Okay. Dites-moi, vous ne connaissez pas par hasard l'équipe à Vinci? Non, désolé. Merci.
Allô. Allô. Oui, ça va ? Ça va. Ça va et toi ? Ça va nickel, du bon. Ouais. Je voulais te dire, il y a un gars là, un vieux. Ouais, qui prétend te connaître, avec des cheveux longs, et soi-disant il sort de garde à vue. Ah bon ? Fais-moi le déposer. Ouais. On adresse que tu sais. Ouais. Écoute, mais ça va, je t'envoie quelqu'un qui te le mène. Ouais, merci. Ok, bisous. Bisous, ciao. Chichi. T'as vu le mec qui est sur le comptoir? Ouais, j'ai vu. Ouais, tu veux, je te donne une adresse, tu le déposes? Je l'amène à qui? À l'équipe de Vince. Ouais, c'est bon, je m'en occupe. Ok. Je vais travailler. Eh ben, on verra ce qu'on va faire. Ah, renseigne-toi sur moi, je suis un bon pilote, je suis un mec droit. Bon, je vais discuter avec Younes. Hein, tu viens jeudi. Tu auras ici. Besoin de moi. Ben, ça va. On verra. Allez, c'est bon. Bon ben, on va aller au plus vite. Oh, les gars, vous avez la berbier derrière vous. Comment tu sais? Ils m'ont envoyé un minot là, pour dérober là, des armes. Là. Et pour essayer d'avoir des empreintes. Là. Alors je suis venu vous avertir. Merci l'aîné de nous avoir prévenus. Alors par contre, je ne vous cache pas que j'ai besoin de travailler. Alors, si vous avez un petit job pour moi, je suis présent. On verra, on va essayer de te mettre sur un coup. C'est bon? No problème. Après, on verra par la suite pour toi. C'est bon? Mmh. Je suis là. Allez, tu viens, je vais te déposer. Merci. Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils m'ont dit que tu prenais tout Marseille. Et alors? Ben moi, j'ai dit que j'étais avec vous. JB, putain, il fait vraiment quelque chose, ils sont fatigués cette équipe. Ah, écoute, ça va. Va faire soigner tes petites blessures, hein, t'inquiète pas. Ils veulent tout manger, ces enculés. Eh ben, t'as pas compris qu'ils veulent nous mettre la main. JB, tu sais que je suis avec toi. J'ai pas avalé ce qu'il a fait repousser. Fabien, essaie de me trouver les rois. Hein. Les rois. Va, dis-moi. Oui, dis-moi. J'ai mon ami qui cherche une petite équipe pour travailler. Je te sers avec lui. Je suis là. Je m'en manque qu'il s'appelle. Payer, c'est pas un problème. Hein. Le problème, c'est de savoir qui on a en face. Je m'en bats les couilles de qui il y a en face. Moi aussi, tu peux compter sur moi. Merci, Claude. Oh, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses, toi, tout ça? Je pense qu'il va falloir un peu se bouger le cul. Hey, après, c'est toi. Oh, Franck, dis-moi, on te voir deux minutes en privé. Tu peux me rendre un petit service? Ça dépend, dis-moi. Hein? Dis-moi, tu vois, tu avais des gars qui travaillaient pour moi, mais je crois qu'ils s'en souviennent plus. Alors je voudrais qu'avec ton ami à toi, tu leur mettes un coup de pression. Attention, Franck, je veux pas que tu les tues. Hein? Je veux simplement que tu leur fasses peur. Ok? Parce qu'ils m'ont trahi. Et ça, ils ne doivent pas le faire. Ok, on va voir ça. À Gabi, non? À Gabi. Allez, Fabio, on y va. En bas, au robot. Voilà, Hey, hey.
Allez, à moi. Tu es sûr pour demain? Ça va pas nous mettre dans de grosses histoires, ça? Quoi que c'est, ça y est, tu te dégonfles. Je te rappelle que c'est toi qui as voulu prendre cette décision. Tu as voulu jouer dans la cour des grands. Maintenant, tu vas voir ce que c'est. Et tu comptes faire quoi après? Après, ça va être simple. Avec tout le bambou qu'on va avoir, on va avoir un réseau solide. Par contre, je te cache pas qu'il va falloir chercher du bon monde. Ok, tu sais, ton archule là, on est défoncé. Voilà. Alors maintenant, laisse-moi m'entraîner et casse-toi. Et n'oublie pas pour demain. Commence à t'organiser qu'il va falloir changer de voiture. Parce qu'il va falloir décharger dans le réseau. Tu m'as pris pour un keg ou quoi? Bon, tout à l'heure, pour Mike Tyson. Bon, les gars, il y a du boulot qui nous attend. Ah ouais, c'est pour qui? Pour JB. Qui JB? JB, qui tient tout Marseille. Ouais. Vous êtes chaud ou quoi, les gars? Chaud, hein, moi je suis partant. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il faut mettre la pression à une équipe. Je m'en occupe, moi. Toi, tu t'occupes de tout, toi. Et moi, je fais quoi? Rien. Je me branle. Frérot, qui c'est qu'un calibre? C'est qui est chargé? Ah, calibre, pas calibre, frère, c'est pareil. Remonte, tu vas? À la maison. Alors, rentre. Ouais, ça va ou quoi, les gars? On va marquer ou quoi? Bien, bien, bien. Tranquille. Niqué, hein, où ils vont encore? Moi, tu me demandes. Oh, alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Ma foi, que je compte faire ce que je sais faire de mieux. Oui, mais avec qui? Avec qui? Avec l'équipe à Vence, il reste plus que... Oh, fais attention quand même. Hein. Pourquoi, toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Moi, ami, avec quatre, ce que j'ai fait, je vais ouvrir un truc à Bastia, ou je sais pas, je vais voir. Hein. Ah, tu as bien raison, je descendrai te voir un peu. Là, tu es sûr que tu veux y aller, toi? Tu es sérieux? Pour de bon, heureusement que je vais y aller. Fais attention que tu ne sortes pas un calibre. Hein. Vas-y, attends-moi ici. Okay. Oh, mais tu n'as pas payé tes impôts ou quoi? Je pas mon calibre. Pour les cahiers de mon billet. Enculé, je vais le péter. Tu le sais, lui, oh. Ah! Qui c'est, putain? Qui c'est cet enculé de sa race, hein? Qui c'est cet enculé, là? Qui c'est cet enculé, là? Oh, pourquoi tu m'as pas donné le calibre? Laisse-moi le terminer. Tiens, fou, tu vois pas que c'est des fatigués, c'est? Oh, les gars, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez pété les plans ou quoi? Pleine caméra et tout comme ça, vous tirez comme ça en pleine journée, JB il va péter les plombs, je vous le dis. Je m'en bats les couilles, JB, moi, frère. Eh ouais, ça me bat les couilles, il a raison. Allez, vas-y, trace, hein. Vas-y. استعرض أبرز الإكراهات وعموم المنجزات. ترجمة
Allô. Allô mon ami, comment tu vas? Tu m'as reconnu? Oh, comment on va? Ça va frère, j'ai impeccable. Je vois que tu as bien reçu ma lettre. J'ai besoin de toi. Écoute, envoie-moi deux oiseaux pour ce que je t'avais dit. Ok, je te les envoie jeudi. Mais dis-moi, ça fait rien si je passe dans le mot pour toi? Oh frère, fais-moi plaisir. Tu te souviens ce que tu as fait pour moi dedans? Ouais, mais bon, ça n'a rien à voir. Eh ben là, c'est pareil. Allez, envoie-moi aller ici, je la réceptionne. Ok, merci. Tu te souviens de l'adresse que je t'ai écrit sur le papier? Ouais, ouais, j'ai tout là, t'inquiète. Impeccable. Et quand tu veux passer des vacances, tu viens ici. Ok mon frérot, je te remercie. Bisous, je t'embrasse. Allez, ciao, bisous, ciao, ciao. Allez, ciao, ciao. Et tout, maman. Oh Jean, tu ne m'as pas dit bonjour. Alors, dès qu'on a appris la mauvaise nouvelle, on s'est tout de suite renseigné. Hein. T'inquiète pas, c'est qui vous a fait ça? On va s'occuper d'eux. Ah bon? Vous savez qui c'est? C'est qui? Eh ma foi, tu sais pas ce qu'on sait tout ce qui se passe sur Marseille. Ça vient de l'équipe de Vinci. Les amis à moi m'ont dit qu'ils ont payé une équipe pour vous tuer. Pourquoi ils voudraient nous tuer à nous? Pourquoi? Parce que vous faites partie de mon équipe. Mmh. Enfin bref, t'inquiète pas. On va s'occuper d'eux. Et Matteo, et où? Monsieur, bonjour. Ça va? Merci. Je suis le docteur Lanfranchi, le chirurgien qui vous a opéré. Alors, je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. La balle que vous avez prise, malheureusement, elle s'est logée entre le muscle et le nerf. Alors, je ne vous cache pas que le nerf il a été très touché. Mais bon, à part ça, le seul souci que vous allez avoir, c'est que vous allez boiter pendant un bon moment. Mais tout le reste est bien passé. D'accord? Merci. Je repasserai vous voir ce soir. Merci. Messieurs. Fabio t'a amené un calibre, monsieur. Oh, t'inquiète, c'est pas la peine. Allez. T'inquiète pas, je te promets, on va te manger. C'est moi qui vais m'en occuper personnellement. Te casse pas la tête. Alors, on y va. Tu t'imagines, les gars? Ils n'arrivent pas à mentir de nos jours, hein? Espèce d'enculé. Mais le pire, c'est quoi qu'on est même pas au courant. Tu vas voir ce qu'on va leur faire eux aussi. C'est pas grave, tu vas voir.
Comment tu vas, mon ami? Ça va, merci. Ça fait plaisir de te voir. Je suis venu ici pour te dire que ça vient pas de nous. On n'aurait jamais fait un truc pareil. Et on rate pas nos cibles. T'inquiète même pas. Je sais maintenant d'où ça vient et j'en ai la certitude. Toi et ton ami, là, faites partie de mon équipe. Donc remets-toi un peu à niveau, hein, soigne-toi bien. Et on s'occupera de eux, hein, on les fera sauter. Oui, c'est bon. On les a croisés tout à l'heure dans le couloir. Ils sont venus me voir. Ça dans les couilles quand même. Ça va toi? Ça va. Allez, on va y aller. Allez, c'est bon. C'est bon. À plus tard. Ferme-la, ta gueule, là! Putain, ça arrête pas. Et au fait, c'est qui le mec qu'on vient de charger dans le coffre? Tyson. Un de l'équipe à bête. Oh putain, ferme-la ou je te plombe! Ferme-la! Putain, cet enculé, il s'arrête pas. Il va nous casser les couilles tout le long? Mon vieil, là! Arrête-toi, s'il te plaît, je vais lui niquer sa mère, ce fils de pute. Arrête-toi, s'il te plaît. On n'a pas le temps. Et toi aussi, t'étais obligé de le ligoter? Il a commencé à y fermer sa gueule, il fait caboyer, cet enculé. Alors, Wolfram, comment tu vas? Ça va, impec. Il est là, Tyson. Ok, ouvre la malle. Non, ça, ça me plaît. Tu vois, qu'est-ce que je t'ai dit? Fais lui fermer sa gueule, hein. Tu vois, tu peux plus rien faire. J'ai plus là, tes amis, hein. Enculé. Tu vois, Franck, quand on travaille comme ça, ça me plaît. Allez, vous n'avez pas trop galéré à l'attraper? Un jeu d'enfant. Bon, les gars, il va y avoir du boulot, hein, vous le savez. On attend que ça, nous. Par contre, Franck, viens, il faut que je te parle deux secondes. Oh, Franck, dis-moi. Faut que tu débarrasses sur ton ami, hein. Vous avez le travail proprement, et qu'est-ce que vous faites? Vous tirez sur les deux. De les intimider. Alors maintenant, Franck, tu me fais plaisir. Hein. Tu prends ça et tu fais ce que tu as à faire. Hein. Frérot, tu es sérieux? Qu'est-ce que tu fais? Putain, ferme-la. Tu as pété les plombs ou quoi? Ferme-la. Tu fais? Donne-moi ça là. T'es gonfle ou quoi? Bon, les amis, oh. Par contre, dans la semaine, ça va bouger, hein. Je vais mettre en place les stratégies, là, pour un peu contrer tout le monde, hein. La Gabido. Oh, qu'est-ce que tu fais, là? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue, frère.
continue, j'oublie pas ce qu'ils ont fait à mes cousins, mais on continue, frère. Pas faire marche arrière. Vas-y, on est là. Hein. Mais tu as vu ce qu'ils ont fait à Roland? Cher. Quand j'ai demandé de l'aide, il m'a aidé, lui. C'est bien fait pour sa gueule. Rien à foutre de Roland. Bon. En plus, j'ai entendu que Santou, le vieux Corse, il veut régler ses problèmes personnellement. Fais attention, mon frère. Il est vraiment malin, cet enculé. Je sais, mon frère. Mais maintenant, on peut plus faire marche arrière. On est lancé, on est lancé. Tu verras ce qu'on va en faire de l'équipe à Vinci. Faut juste qu'on soit déterminé, frérot. C'est tout. Et le réseau d'en bas, tu en fais quoi? Ah, laisse tomber, en bas. On est bien. Là-bas, en bas, on est par là-bas. Là, tranquille, il tourne bien et tout, le réseau. Reste là. Oh, qu'est-ce qu'il fait ce petit enculé là? Vas-y, tais-toi. Tu l'as vu sans tout? Non, mais on va s'en occuper, nous, des bâtards. Déjà qu'il est énervé, on va le régler, nous, le problème. Mon frère, tu sais quoi? Il est où, Tyson? J'en sais rien. Il pleut. Tu sais quoi, on va faire mieux. Vas-y, t'en monte avec mon moto. Ça va. Il traîne où, le matin? Je sais pas, dans le quartier. C'est ce qu'on va faire. Moi, je vais prendre le Cayenne, on va zoner dans le quartier. Quand tu restes derrière mon moto. Hein? C'est qu'on va prendre des calibres, on va leur montrer qui on est, nous. Ouais, c'est bon. Écoute, garde le chenille dans ta poche. Dès que c'est bon, tu l'allumes. J'ai une paire de gants avec. Vas-y. Albert.
Tribune, tu vois. C'est une de gars dont je t'ai parlé. T'avais déjà fait des coups face. Ça veut quoi, c'est un jeu d'enfant. C'est avec ça là comme toi. Écoute, le S4, c'est vous qui allez le conduire. L'ouvreuse, elle va se faire avec la Porsche. Il y aura Santou et Christian qui vont vous faire la route. Ouais. Christian, c'est toi. Santou, c'est qui? Peu importe. Les questions, c'est pas toi qui les poses ici. Arrivé en Espagne, vous ferez le plein. Après, il y a Christian qui vous donnera un téléphone. On sera en contact tout le long avec lui. Dans le Cendrillon, on vous a mis les sous pour le péage. Ok, bon, c'est bien beau tout ça. Bon, dans l'histoire, mange quoi, des cendriers? C'est 15 points. Si tu veux, tu partages avec ton ami. Non, non, moi je veux au moins une moitié d'avance. Moi je pense que t'en demandes un peu trop. Non mais attendez les gars, nous aussi on vous connaît pas. Si ça se trouve, c'est vous allez me mettre une carotte. Vas-y, c'est bon. Prenez la moitié. Au retour, déchargerai ici. C'est bon? C'est bon, tranquille. Rendez-vous demain matin, 6h30. Ici, on décolle. Trop bien. Bon, si on. Ici, demain. À la maison. J'ai foutu jaune en plus. Comment il a dit que ça s'appelait? 663. C'est de la pomme, ça sent de l'or. Plus elle est 7,5 en plus.
partis là-bas, ils étaient tout droit. Tu les as vus ? Putain, ils sont partis là-bas, c'est allé tout droit. Je les appelle. Hein. Appelle-les. On va appeler la quise se faire enculer. Tu vas dire, remets la sortie, toi. Ils sont sur messagerie. Alors, il est où le Porsche ? On l'a quitté, on a tourné dans tous les quartiers avec. Tu crois quoi ? On l'a cramé le véhicule. On a changé, on a pris celui-ci, c'est mieux. Putain. Et quoi, il n'y avait pas moyen de les suivre, de faire quelque chose ? Ils nous ont niqué ces enculés, tu as vu ? Je le savais, moi. On a tourné dans tous les quartiers, on ne les a pas retrouvés. Je sais pas comment on va faire. Hein. Bon, vas-y, on se donne rendez-vous au box ce soir. Hein? Je vais tourner, je vais prendre Younes, je vais tourner. Tu veux pas qu'on vienne? Non, c'est pas la peine. Allez vous reposer, vous avez pas dormi, allez vous reposer. Allez, ça va tout à l'heure. Ouais, you. C'est bon. Vas-y, j'arrive là, on a un problème. Ouais. Putain. C'est bon. Ben si, je ne sentais pas ses nerfs, je te le dis déjà. Déjà en Espagne, quand il chargeait, il était bizarre. De toute façon, Marseille, c'est petit. D'accord ? Donc on va le récupérer le bon mot. Hein? Et on va les enculer à ces PD là. Mais de toute façon, qui c'est qui nous a présenté? C'est Kamel. Donc il faut commencer par Kamel en premier. Mais oui. On va lui casser la tête à Kamel. On va faire mieux. Toi et toi, tu viens avec moi. On va s'occuper de Kamel. Et toi, tu prends l'équipe. Tu appelles Tyson, tu appelles tout le monde. Au fait, Tyson, vous avez pas de nouvelles ou quoi? Moi je l'appelle, il va pas. T'es parti au pays? Je sais pas. Ah mon frère, sois sérieux. J'ai pas de nouvelles, moi j'ai appelé 15 fois, il répond pas. C'est pareil. T'as raison, hein, tous les problèmes qu'on a. Et s'il y arrivait quelque chose? Bon bref, prends tout le monde. J'ai entendu que JB il a réservé une table au vin bleu. Hein? Donc tu fais un petit tour. Ok. Vas-y, chargez. Titi, tu es avec moi? Par contre, c'est pour toi qui pilote. Hein. Bon allez, vous n'embrouillez pas pour piloter, je m'en bats les couilles. J'en fous. Allez, bon, on y va, monsieur. Allez. La guerre d'or.
alors dis-moi. Le poisson, il a mordu l'hameçon. Et tu vas être content, il m'a balancé toutes les infos sur les corroyeurs. Explique-moi tout. Tu veux pas que je t'explique autre chose? Vinci, comment vas-tu? Ça va. Mis à part les galères qu'on a eues, j'ai de bonnes nouvelles. Inès, c'est pas là? Il est parti avec Sam. Il n'y a aucun souci. Écoute, je sais que c'est pas trop le moment de te parler de ça, vu les galères qui viennent de nous arriver, mais cette semaine, je risque d'avoir un séjour à faire avec la grosse caillasse. Vas-y, raconte. Tu vois ma gonzesse qui est au bar, là? Ouais, je te garde, mais... Ça fait un moment que je la fais charbonner sur un mec. Ce mec, il bosse pour un des plus riches patrons des quartiers noirs. Et dans son entreprise, apparemment, il y a une ramasse spéciale. Où il y a de la grosse caillasse. Voire de la très très grosse. Tu sais que je parle pas pour rien. Toi, tu as confiance en elle? C'est une voyageuse, elle a parfois aux yeux. Tu lui as expliqué que tu allais faire ce coup? Non. Tant mieux. Lui dirais, j'ai pas envie d'exploser la cervelle d'une femme à un ami à moi. Au cas où c'est un problème. Tu as raison, je suis d'accord avec toi. Il n'y a aucun souci. Écoute, fais le nécessaire sur ce projet. Il nous reste des armes et des véhicules. Et renseigne-toi bien d'abord. T'inquiète de rien. Fais la montée. J'ai pas envie qu'elle se doute de quelque chose. Monte. Écoute, il y a les deux là, Mathéo et Jean. De l'équipage JB qui ont eu un souci là apparemment. C'est Mathéo s'est tiré dessus, il est à l'hôpital, je sais pas quoi. Ça vient ? Une équipe du panier, il paraît. On va aller les voir. Bon, les gars, approchez-vous. Voilà, avant toute chose, vous savez ce qu'on encourt. Hein. Donc, je veux pas d'écart. Si ça se passe mal, on se prend 17 ans. Et si ça dérape, c'est 33. Maintenant, je laisse la parole à Diego. Bon, le véhicule puissant, en planque, un camion garé ici. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça se passe. J'ai un ami à moi qui bosse dans une grosse société. Il m'a expliqué que tous les vendredis, à la fin du mois, à 8h45 pétante, la Brinks passe récupérer un énorme magot. Vous savez que les ramasses, normalement, se font après 11h. Seule cette société a une dérogation spéciale. Et pourquoi elle est si spéciale? Elle est blindée de l'OV? Autre que blindée, mon frère. Si on réussit, c'est le jackpot. C'est le million assuré par tête. Donc il peut y avoir plus, alors? Il peut y avoir plus, mais pas moins. C'est garanti. Et comment on procède? Je vais vous expliquer.
D'abord, l'équipe sera divisée en trois, ensuite en deux. D'abord, il y aura moi et ça en tout. On sera garé ici, avec un camion. On attendra le combo. Vous, vous serez dans les deux véhicules, au fond de la ruelle. On attend que le combo fait ce qu'il a à faire, et dès qu'il sort, c'est là que ça se passe. C'est moi qui pilote le véhicule, je vous le dis. Comment c'est toi? Si tu pilotes mieux que moi, vas-y, prends le volant, mais je crois pas trop. Bon. Les coureurs sortent de cette entreprise à 8h45 pétante. Nous, on sera déjà placés à proximité. Dès qu'ils démarrent, Santo et Vinci feront le premier travail au stop. Je vais leur poser une peine de fatigue que normalement, ils ne vont pas y être sortis du fourgon. À ce moment-là, il y a deux écoles. Soit ils ouvrent, soit ils meurent. Mais quand il y a une peine de plastique sur la figure, ils vont vite ouvrir la porte. Ah oui. Christian et moi, on va arriver par derrière, ici. Et on va les bloquer pour les empêcher de reculer. Une fois les portes ouvertes, Joseph les mettra au sol. Pas d'erreur, pas de provocation, rien. Moi, j'ai récupéré le badge. Vous savez que la porte arrière s'ouvre seulement si la latérale est fermée. Donc, on va procéder comme ça. Avec le badge, Younes, Titi, Christian et moi, on déballe le Brinks, on charge les véhicules et on s'arrache. Bon, une fois les voitures chargées, on décolle et on donne rendez-vous ici. Y a pas de plan B ? Y a pas de plan B. Si ça part un coup, on improvise. Là, c'est bon pour ça. Y a des questions ? Oui, moi j'en ai une. L'OM, il a fait quoi hier soir ? Allez, bon, soyons sérieux, on va se reposer, c'est pour demain matin. Demain. Allez, hop, hop, hop. Les tenues. Les armes, c'est quoi? Pour les tenues, c'est simple. On a une combinaison, d'accord? On a des gants, scotché, et une cagoule. Les armes, c'est calache et armes de poing s'il faut. C'est bon? C'est bon? C'est allez. Bon, okay. Ça va, tu gères toi. Eh oui, il faut laisser moi faire, tu vois. Charge, 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 charge
Allez, 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 allez